Nous venons de faire une rencontre. Nous avons entendu les mesures adoptées par les chefs d'État de la CEDEAO. Nous avons bien compris l'importance de cette réaction pour notre pays. En réalité, il s'agit de nous mettre sous embargo. Mais nous disons aux responsables des États de la CEDEAO, les responsables politiques, les présidents, les chefs d'État, qu'ils doivent lire la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Les peuples africains ont des droits. Et que le protocole additionnel du 21 décembre 2001 sur la bonne gouvernance et la démocratie vise plutôt à conforter une gouvernance dans l'intérêt des peuples et non contre les peuples. Dans la situation du Mali, la CEDEAO a été bien informée de toute la faillite du système politique, administratif et de gouvernance qu'il y avait sous M. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous leur avons fait toucher du doigt que ce monsieur, bien que venant après Amadou Toumani Touré, dont la CEDEAO a acté et presque provoqué la démission, c'est la CEDEAO qui a dit à Tété de démissionner, eh bien, ATT a laissé une assemblée nationale en règle avec nos lois. D'où d'ailleurs la possibilité que la CEDEAO a eu de nommer M. Diankounda Traoré, à l'époque président, par intérim. Toutes nos institutions étaient en place et aucune règle n'avait été violée par rapport à notre constitution. Alors, ils ont accepté que ce président-là démissionne. Maintenant, on n'accepte pas la démission de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a deux poids, il y a deux mesures. Mais en réalité, peut-être que la situation propre des chefs d'État, chacun dans son pays, n'était plus la même. Ça a changé. M. Alassane Ouattara n'avait pas encore 10 ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. M. Alpha Condé n'avait pas encore 10 ans, il ne voulait pas d'un troisième mandat. M. Youssoufi venait d'arriver, il n'était pas en train de terminer son... Bon, moi je vois qu'il y a comme, j'allais dire, une interprétation non pas téléologique des textes de la CEDEAO, mais une interprétation littérale, ce que nous appelons en droit l'interprétation la plus pauvre et la plus caractéristique de la restriction qu'on veut mettre dans l'interprétation et la compréhension des choses. Donc quand on dit cela, je voudrais dire que la CEDEAO n'a pas dans ses textes non plus aucune disposition de sanction des peuples. Pourquoi elle ne l'a pas? Parce que les peuples sont souverains. Les peuples sont souverains. Par contre, la CEDEAO a, en l'article 45 de ce protocole additionnel, la possibilité de sanctionner les gouvernements qui n'arrivent pas à faire la bonne gouvernance. Au lieu de sanctionner M. Ibrahim Boubacar Keïta, de lui dire on te retire des instances de la CEDEAO parce que les enfants du Mali ne vont pas à l'école, parce que la santé a fait 4 mois de grève, parce que les juges ont fait 4 mois de grève, rien ne marche chez toi, l'Assemblée, tu n'as pas pu organiser les élections, le Haut Conseil des collectivités territoriales, ça fait 13 ans qu'ils sont là-bas, leur mandat n'est même pas renouvelé par une loi anticonstitutionnelle, et le Conseil économique et social, ton Premier ministre n'a même pas fait de déclaration de politique générale. Au lieu de dire ça, M. Ibrahim Boubacar Keïta, pour lui dire, c'est vous qui êtes le symbole de la mauvaise gouvernance, donc ne venez pas à nos réunions. Ils sont prêts à faire une visioconférence avec M. Ibrahim Boubacar Keïta, le plus mauvais élève de la CEDEAO. Mais ils sont prêts à sanctionner le peuple, l'un des peuples les plus courageux de la CEDEAO. Nous avons pris notre destin en main et que la CEDEAO sache
qu'il est en marche un printemps ouest-africain, des peuples ouest-africains contre des gouvernements et leurs syndicats qui violent nos droits. Ça, c'est clair pour moi. Le combat va continuer et nous allons gagner ce combat contre ce genre de dirigeant à la vue restreinte, dans une sorte de dépression administrative, politique, et qui restreint nos droits et qui veut nous comprimer, si ce n'est nous confiner dans leur ignorance totale de l'application de leurs propres droits. Nous ne serons pas confinés. Nous, on n'est pas au Covid-20. Le Covid-19, on n'a pas la solution, mais la CEDEAO, c'est le Covid-20. Excusez-moi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Le comité stratégique du M5-RFP vient de terminer une session spéciale. Je voudrais rendre compte aux militants du M5-RFP, à l'ensemble du peuple malien, des grandes conclusions de cette importante rencontre. Nous avons enregistré et examiné la situation sociopolitique créée depuis le mardi 19 août 2020 en République du Mali. Le M5-RFP se félicite de l'aboutissement du combat héroïque du peuple malien. Cet aboutissement est la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta du poste de la fonction de président de la République, de la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi pris acte de la déclaration du Conseil national pour le salut du peuple, le CNSP, d'ouvrir une transition politique civile. Nous avons salué avec force l'ensemble des composantes du peuple malien, particulièrement la jeunesse du M5-RFP et la diaspora et les femmes. Nous avons dit que pour couronner ce succès, demain jeudi, nous aurons un point de presse ici, jeudi 20 août, où nous allons rendre public une déclaration qui donnera la vision du M5-RFP par rapport à la situation actuelle. Mais cela ne suffit pas. Nous avons décidé d'organiser un grand rassemblement patriotique à la place de l'indépendance le vendredi 21 août 2020 et sur l'ensemble du territoire national pour fêter la victoire du peuple malien, pour remercier le peuple malien dans toutes ses composantes, les jeunes, les femmes, la diaspora, tous ceux qui se sont joints à ce vaste mouvement populaire depuis des mois. Nous avons constaté avec beaucoup de bonheur que le changement s'est opéré sans violence. Nous savions ce que ce pouvoir préparait contre les futures manifestations du M5-RFP. Et c'est pour cela que ce qui s'est passé, le changement en douceur, nous a été d'un point positif pour l'avenir de notre pays. Nous avons aussi dit que la communauté internationale doit avoir une attention particulière par rapport au peuple malien. Et la mobilisation du vendredi 21 août doit donner la preuve
que le peuple adhère à ce changement. Un premier signe, c'est que nous avons constaté que l'ensemble des corps de nos forces armées de sécurité ont travaillé ensemble pour éviter à notre peuple un bain de sang, pour éviter des tueries, des arrestations, des déportations qui étaient préparées contre la haute direction du M5-RFP. Notre peuple va se retrouver, va se réconcilier, va redéfinir les conditions d'une reconstruction de notre pays. Cela se fera avec l'ensemble des forces politiques, sociales. Le M5-RFP attend, dans les heures et les jours qui viennent, des discussions approfondies sur les conditions de mise en place de la transition civile qui a été annoncée par le CNSP. Voilà les grandes annonces que je peux vous dire en attendant qu'on puisse développer tout cela dans le meeting le 21 août 2020. Merci bien. Et Malien, M5-RFP, comité stratégique, a une réunion Badoke Bi. Au réunion, à la conclusion, il n'y a pas fait qu'il n'y a pas M5-RFP militant, Malien, Mali Teriwi, Mali Kono, ani diaspora là. En ye conclusion folle mi seven oye folie ka folie bla Mali peuplement Mali peuplu aka lutte aye lutte minke pour que changement pacifique ka se Mali la cheni kanake au changement anga forces armées de sécurité ya parachevé ou ya laban fana a laban nyuma la parce que cheni make Joli Mabo. Et fin Mila Belendo, Fangan Korofe, ka nyesi M5-RFP Nyemogouma, ka nyesi Peuplema, au Kajuguni fin Minkera, le 10, le 11 et le 12 juillet. Ala Barkala, commencez à Sirasolo. Ala Barkala, CNSP Yake, Tieniba, Fagali, déportation. O ma sira soro malla o de kama e anko M5-RFP ko kabe Mali peuple félicité abayere félicité Ibrahim Bokar Keita ye démission ale ka démission assemblée démission naka gouvernement démission ayodi on se félicite de ça katla ka foko CNSP déclaration doke ko ko bena transition politique civile. Au Corée, il faut que si vous ni soldats de Bena, ou boulot de Nyoroma, que Djamana Baraka transition, que Kanga Djamana Jo, que réforme Bauke pour que Mali Kaseka, Aka Horayan, Aka Ladria, Aka souveraineté, Aka démocratie, Kaseka Sinsi, Djamana Kaseka Tanyi. En Kofana, que la communauté internationale Kangi, Djatemineke, ko minkera malila dobe ka fo coup d'état de do minkera malila o peuple de ka keledo CNSP mali l'armée ya a labandi akera laban ko nyuma fana la parce que tieni make joli mabo an ye fami constater fana anga forces armées be tous les corps ou be farale nyongonka una nijo kanga peuple sauvé kanga démocratie sauvé ou ya fo fana Kulmana ka fanganta ki sigi malion kuna. Kuna na ka ben sabati malikuna. Ka kieni minkera malila, ku repare, malion kese ku tere di nyoroma, ka transition politique. Okuma fana, ayufo ola. Mais pourquoi ko be walia, aye déclaration doke bi. O déclaration abena présenté sini be, sini jeudi 20 août 2020. Point de presse do benake, kuma ba ou bena fala, pour que les Maliens wele de bena bla Maliens oui vendredi 21 août 2020 bekanyon sera à partir de 14h place de l'indépendance là comme corolin Malion bekabo ka bo comme amad delika ke mali histoire là pour que ka ira ko changement minkera akera Malion betola Malion beka changement de do ulu de ya barake ulu de au changement sera pour que communauté internationale ka se ka laje ka soro
que Malien est corrélé aux pages tournées. Agnès Silendo, Niefe, Ka Djamanajo, Ka démocratie Sinsi, Ka Ubafumako, réconciliation nationale. Mali problème ou bé, ou bien avoir la table, Mali don bébé na franyonka, Ka solution nulla. Donc, ma bâme nous bénéfique à foyer, conclusion, ma bâme nous fera au déni. Ou béto ka fo, coup d'état de Kera, de Adonata, Borata, Minkera, peuple de Ka Keledo. Anga force armée de sécurité ya la bande. Ou ya la bande franchini chimakala. Donc, au folie, à quand que peuple malien, na Mali dombe, hakto bala salia la maman. Non, merci beaucoup. Wele kamingara bela jelenga bo anye minyi ni ala fe ala ya nnoya ma kasoro ande ujuli mabo anche ujuli mabo ambalma ke ujuli mabo ambe ala foka ala barkada ya rabbi ala ka to latemeto kunma ala ko jirana ala ka maliyon ben kelema ambe ala barkada ambe kira barkada ambe anga karamo kunma munu yede meke kulambo lu barkada telke imam nunu ambe klaka anga sorda su barkada ambu fo ambu balin mando ya nga keleto ya nnoya mbulu ajarange amso ansewara joli mabo ande joli mabo ante o joli mabo ambalma ka o joli mabo akato boka sallallahu muhammad merci beaucoup me ba wala ni ni amba do aller dans la sécurité donc nous ko fe amna sheikh am ta sigere nya fe doni ya bo abo voilà ama fo dante folim na ama fo ay en plein semasiere kuru kono na lane a repora sansa semasiere mo ay wa la cellule ame donc comment chama fo donc pour le moment ou de be comme dernière information madame Dara OK 24 avec toi voilà, amna kuma di en grand sœur Roma le kené kona. Neto awa kasamara. Bonne mi famille à la bara nyumamba parce que fochi ma bara nyere to jane bere uru jou ni bere veru ka farali yonga o de bara nyere jagat la harmonika la parce que mo shi ku masigi na yoko ni beke donc no kero yoko ba de yo donc ambe mi ni mali on fe doro be ku tige di yonga mali bi be ka be donc mali imbe ja kwa donc mo ku tige di yonga mambo de fali bi kono ku lu jele de be bi fo moro ka bo antlo bala fana ko vantere di ko boli be donc amay ni be fe be ka bo den sen fara mo ko roba ka be ka bo faso jol le dam ne to la fleni muso ka bo dem sen ka bo muso roba ka bo che fara muso ka be ka bo na la sona ma vantere di na fora mi ko nan te ke bashi ko abe dese voilà amé bela de l'info donc amna kuma di en ba ma ali maram jawara alere m5 muso ga nyamo do e c'est massif fene muso kuntiki do e ala e ko nda ban sanja ara te sikin do chere mara jawara e chega fo so suwa do wala alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum ala mel pe kala be la jeli kamale be fo malikono ani malikoka kren gren na ambe diaspora fo katiyere ba do diaspora e bara min kenu kula ambo fulu kuye kanga mo bawfu sherifu ka sherifu ani imam mamtu diko ka fu barka la ofika ka klamu funengani shitura ni kula ka fo ala ka saya ku mala fiyai u bangi ba wala ku soni manyala me ka bo bitaye mi bitaye wele wele likane sewadu parce que M5 RFP ku ni kodo damne tinitigila kau finitigila kau ulina na ka ko kunche
wasa kono bonya kono karama kono muna wasa ni bonya ni karama sabula kati jie koko na kera ni jeli mabon oye wasa yi surtout jamana kundigi ka taka bo andala jeli mabon ali mwoko kongolo midimi vraiment chapeau be turuye ali gabakuru mabu ka fo o foli be kuyo chapeau be turuye parce que kani akti ya yira jie na kono mauna comme Ibrahim Boubacar Keita kume kami fo o ta onye on te jeli bodon militaire yere make kumata onma on te jeli bodon on be dambe ni majigine don sabadi de don mais on te bourouja on te défait donc abo ka wele wele bla malien bela jelenima jumado kalo kle mwa ani kele 14h wakati anga nyongon solo place de l'indépendance la muna kanaka baraka da anyele ka fulika anyele parce que malien bede ni keleke ni kele indamne foka sebi manyo de fongo mwa kote maliko dedo dambe ko dedo yere wolo ko dedo fin fin ali emro mou kuma an bouja ni ikou nyena ko oube fili de kono ne kuma fongo kume fili kono uka ble ukuna ukana ambede maldan makuma flafo ambede maldin anga na jamana yi serena jamana yi nyana anga na anga mbulo di nyoma anga jeka malikura yinjo malibe chon me kabo ka amu solanga uwele kosebe sabula andon ambe baraka dandon yi andon yi baraka kujungu ni ya finiti la ka wulila anga fo do anga na nyoro musala kola ando ne pora ku nindi alama u finenge ni shi finiti la ka wulila o de la ka kojo parce que jeli bom mega ka lu o lu teni ndo kele be ke oluma on tangade me u glanete on fali kama ka bo ka dem so nu fo ka fo muso ya anga bo e juma do kana ando fo ne fo ka barka da malien be ka an ref ne fo parce qu'en règle donc bédé ko kani malikola ka boka malien be fo ka boka fo finiti la kawi uni che u yere ambe barka dawi me kati me pma la banu u musoyi parce que na an bora ku chou fo nu maye jamala o te nu maye o le chou ka nga fo u ka boka ye jamala akadi anye u kana ayira jena qu'elles sont fiers u chou la wu disi go chinu chou ye sablo chou bi amalion be se ka konte u chou ka donc a wele wele be finiti la ko muso yere de ma ampe ka ikeninga kana barka da Allah na kirai ka barka da uchoye ka fuye uni cho uyere uni fasi do nyumaya uni halala ya uni yere wulu ya salam alaykum merci beaucoup ningue maram jawara e amale fu dante fuli na ame bela jele fu mo mo be maliko no munu me malike na ame befu ama fo e amna amunu munu ka laje na sira ka ma wara so e pour le moment ame befu donc ningue ko yi ni anu ale ya me befu akatuba ka wasalam.